d'intimité s'est fait violer et que je n'ai pas su te consoler. Je t'aime tellement, je pourrais te dévorer, mais dans ta vie je ne sers qu'à décorer. Le silence nous a éloignés, les cris de nos disputes peuvent en témoigner. On se fait du mal, faudrait qu'on passe à autre chose. On se fait du mal, avant que nos cœurs explosent. On se fait du mal, faudrait qu'on passe à autre chose. On se fait du mal, on se fait du mal. L'action criminelle de nos gouvernements et devant l'urgence de la situation, nous appelons à la rébellion. L'utilisation massive des énergies fossiles détruit les conditions mêmes du vivant et leur extraction aujourd'hui. Il donne le corps de petits conflits. Ils ont l'avalé, il faut que tu attends qu'on chine. Le criminel multirécidiviste, total énergie, projette de déposséder sans condamnation 100 000 personnes de leur terre. C'est qui a crié 13-12? Par plus de 1400 mètres de l'éolien. Attention, je bouge plus. La construction de plus de 400 puits de pétrole empiétant sur l'air naturel, protéger des murs chez Sandford en est autre. L'exploitation des réserves en République démocratique du Congo, en plein parc des Virunga, où les populations locales côtoient des espèces protégées en étonnante. Eh, ça t'a dû cacher, qu'est-ce que vous allez faire? À droite, ces projets et considèrent cette destruction elle n'est dictée que par la soif de profit des grandes compagnies pétrolières. Nos gouvernements doivent dire la vérité sur l'urgence et la gravité du dérèglement climatique. Et sur les collaborateurs, ancien nazi. Premier, celui qui a créé la BRI, c'est un nazi. Expulsion de gaz à effet de serre. Ils doivent arrêter toute destruction du vivant et accompagner une production démocratique, écologique et sociale. L'Assemblée citoyenne. Nos assemblées et nos pétitions nous rassemblent, mais ne suffisent pas à arrêter le saccage général. Extinction Rébellion! Extinction Rébellion! Des pavés. Ils vont être libérés, ils veulent le code. Ils veulent les libérer. C'est pas 13-12. 36-15, dis-lui 36-15. Ah, c'est bon, 36-15, bravo, bravo. On ne veut pas, nous on est là. Contre le poste vaccinal, notre vie sera totale. Les Chinois, on ne veut pas, nous on est là. On est là. on est là. Après, après. Ah, un gilet jaune. La Macronie, c'est dégueulasse. 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 Et le verre, c'est dégueulasse. Et le verre, c'est dégueulasse. Et le verre, c'est dégueulasse. Bonjour. Vous pouvez mettre 10 euros? Oui. Merci. Bonne journée. Le prix de l'essence, il a explosé. Hein. Le samplon 95, on le fait à 2,20 € le litre. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Hein. Ici, le café en machine, il est à 40 € le litre. Et le produit n'est pas bon. Alors moi, c'est la Punto avec le sac plastique comme vitre arrière et le rétro-équipant. C'est à 6, ça fait 115 €. Ouh là là. Oh, je voulais m'acheter un gilet jaune pour protester, mais là, je vais pas avoir assez. Ils sont forts, hein. Entre la TVA et la TICPE, l'essence, c'est un produit qui est taxé à 55 %. C'est une belle expérience sociale, hein. Ça permet aux pauvres de voir ce que ça fait d'être dans la dernière tranche d'imposition. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, est-ce que je peux avoir le plein s'il vous plaît? Non, je déconne, je suis à vélo. Connard de cycliste. En tout cas, eh, vu comment c'est parti là, c'est sûr qu'il va y avoir des effets d'aubaine. Hein. Bah, une voiture de collection, elle prendra encore plus de valeur au garage si le réservoir il est plein. Et voilà, un jerrycan de 98, ça fait 35 €. Ah, c'est parfait ça. Vous pourriez me faire un paquet cadeau, c'est pour l'anniversaire de ma fille. Ouais, bien sûr. Et par contre, vous ne mettez pas les bougies dessus. Hein. On a déjà eu 3 accidents comme ça. Moi, j'ai croisé les gens, ils sont pas contents, là. Faudrait qu'on trouve une action un peu marquante pour que le gouvernement, il entende la protestation. Mais bon, vu le prix de l'essence, même s'immoler, hein, ça devient cher. Ok, pause pipi, départ dans 3 minutes. Et après, on va chercher Chantal, qui habite à Tours. Ça devient n'importe quoi, le covoiturage. Hein. Bon, c'est sûr que les temps, ils ont changé. Hein. Avant, ceux qui finançaient le terrorisme islamiste, c'est ceux qui fumaient du shit. Et maintenant, ceux qui financent l'invasion en Ukraine... c'est ceux qui font le plein. Vous avez des bornes de rechargement électrique? Ah non, monsieur, la prochaine station qui en a, elle est à 100 km. Ah. Vous avez le numéro d'une dépanneuse? Avec l'augmentation du prix de l'essence, on en consomme forcément moins, hein, mais bon. Quand même un peu triste de se dire que malgré les COP, les conventions citoyennes et les marches pour le climat, là, bah, pour sensibiliser les gens aux enjeux climatiques, il n'y a rien de plus efficace qu'une guerre. Brut, brut, brut.